faire jouer, dit monsieur l'arbitre. Alors qu'on fait échauffer Roux, le deuxième ligne de Toulon. Balle à l'avantage d'Éric Champ, contré par Tatchian. C'est en molle où le ballon met du temps à naître. L'accouchement est difficile. Ah oui alors, difficile. Le forceps, hein, bientôt. Allez savoir qui est la balle. Voilà, oui, grand coup de sifflet. Voilà. On va revenir aux choses plus orthodoxes. Monsieur Doulcet accorde l'introduction à Jérôme Gallion pour Toulon. Alors que Roux, le deuxième ligne de Toulon, qui était remplaçant, et oui, aujourd'hui est en train de s'échauffer le long de la ligne de touche. Jérôme Gallion fait l'introduction. Sur un petit côté. Oui, mais il y avait du là-bas. Oui. Oui. Mais il est très en jambes, Jérôme Gallion. Hein. À 19 minutes de la fin, 9 points d'avance pour Toulon. Qui a marqué le seul essai du match par Jaubert. Martinez introduit. Et balle pour Menel. Pour une combinaison parisienne un oui, peu compliquée. Un peu téléphoné. Et qui a permis à la défense de Toulon de venir les contrer à ses récimens. Sorti pour Gérard Martinez, normalement. Voilà. Et Franck Menel. Franck Menel qui passe bien les bras pour Autier. Qui attend du soutien. Le voilà, le soutien. Oui, il arrive par il Martinez. Long, il est long à venir. Il est long à venir, le soutien. Oui, ça finit en touche. Oui, il faut dire que les avances du Racing ont été usées dans les regroupements. Usées aussi dans certaines mêlées. Où le pack de Toulon a voulu les tester. Et à ce compte-là, eh bien, la troisième ligne du Racing n'a pas le rayonnement qu'elle a d'habitude. Et il tarde à venir sur les fonds d'action, comme ici par exemple sur ce ralenti que vous retrouvez avec Franck Menel. Oui, mais il a couru en travers la Franck Menel, c'est contraire à son habitude d'ailleurs. Vous voyez, vous n'avez aucune troisième ligne qui vient en soutien. C'est une affaire de trois quarts. Alors qu'on voit les avants toulonnais arriver acharnés. Mêlée sortie pour Martinez. Chahuté la mêlée parisienne là. Menel. Arrêté complètement. Essaie de renverser complètement le jeu là-bas. Et avec le rebond favorable, trouve une touche à hauteur des 22 mètres de Toulon. Très belle touche finalement. On n'a pas parlé de l'extrême correction de cette finale. Pierre, ah oui, je crois qu'il faut le saluer. Formidable prestation des joueurs toulonnais et récimen dans l'esprit. Dans l'esprit du duo noir. Les deux clubs appartenant évidemment au challenge du fair play. Et font honneur à ce duo noir. Alors que Bernard Herrero fait la remise en jeu. Encore un ballon toulonnais. Fondu pour Gallion. Malgré Blond. Il y avait une pénalité sans doute. Non, un coup franc. Non, c'est un coup franc avec le bras cassé pour les Racimen. Donc ils n'ont pas le droit de le tenter. Ah non, c'est pour les Racimen quand même, mais de Toulon. Voilà, c'est leur Racing Club toulonnais. Ah, vous voilà, on ne peut pas se tromper. Vous en faites le Racing Club. Ah bon, j'en ai fait rugby club. Oh, ouais, tout, on peut leur trouver tous ces noms-là. Hein. Mais il est très Racing Toulon ce soir, hein, dans l'esprit. Enfin, ils sont loin d'être en rade, ces Toulonnais. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça sera pour demain, tout cela. Ça sera pour demain, la fête à la rade. Et je vois très bien ça. Et le pastis va couler à flot. Et le téléphone en rade, ça va marcher ce soir. Allez, jeûner dans la remise en jeu. Encore une bonne balle. Oui. Charlie, lui aussi, il est bon. Hein. Il est bien, Charlie, aujourd'hui aussi. Tous les avants Toulonnais sont là, au rendez-vous. Ah, ils subissent les Parisiens. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Manu Diaz là? Si la balle ne devait pas sortir. Une pénalité pour le Racing cette fois. On fait relever tout le monde. Pendant ce temps-là, Renaud Autier en profite pour relâcher ses chaussures. Et Charlie Orso, qui en a pris plein la vue, va se remettre en deuxième ligne. Bon, on va arrêter le jeu un peu. Allez, on va donner quelques voilà, avertissements. Ici, c'est Yvan Roux. Deuxième ligne. Tachdian aussi qui est sorti. Alors que Tachdian va sortir et remplacé par Elière.
Changement également du côté du Racing. Voici Elier, tout jeune joueur lui aussi. L'une des révélations parisiennes de la saison. Alors Hatcher a dû passer en deuxième ligne et Elier va jouer numéro 8 pour le Racing. Le Racing qui a fait rentrer ses deux remplaçants. Elier et Guillard. Rooks attend toujours qu'on lui fasse signe de rentrer. On demande à Gallion s'il doit rentrer. C'est Pujol qui... Et c'est Pujol qui sort. Remplacé par Rooks, c'était prévu. Dans l'idée de Daniel Herrero, si ça se passait bien. C'est de bonne guerre. Yvan Rooks devait participer à la finale. Il partagera donc cette finale avec son partenaire de la deuxième ligne, Marc Pujol. Maintenant remplaçant sur le banc de touche. Enfin, remplaçant. Touche importante pour le Racing. Une contre-attaque du Racing par Blanc. Par Rousset qui tape à suivre pour Guillard. La balle sort directement. Ils sont pris de partout, les Parisiens. Yvan Rousset, le roi du showbiz et de la troisième mi-temps tout à l'heure, en difficulté pour l'instant. Bernard Herrero, qui commence à croire enfin une finale gagnée pour les Herrero. André et Daniel l'avaient perdu. Lui aussi en a perdu deux. Hein. Une avec Nice et une avec Toulon. Balle pour Jean-Charles Orsault, qui la perd en avant. Mêlée, introduction, Paris. Toujours quelques petites difficultés pour former cette mêlée. Introduction, Gérald Martinez, sortie Martinez. Menel. Blanc qui redouble avec Menel qui veut prendre le trou. Bianchi en défense. Dans les 22 mètres de Toulon. Au pied pour Racing. Avec le soutien de ses avant qui provoque un maul. Du Racing, là. C'est bien fait. Martinez va commander la sortie de la balle. Du moins il devrait le faire vite, à moins qu'elle soit récupérée par les avant toulonnais. À 10 mètres de la ligne de Toulon maintenant. On va faire une mêlée avec l'avantage au Racing Man, je pense, parce que la progression était pour les Parisiens. Effectivement. Toujours 9 points d'avance pour Toulon. Alors que Menel boite bas. 13 minutes à jouer. Et oui, et le Racing n'a pas droit à un remplacement. Autrement dit, Menel va devoir finir ce match avec la cheville douloureuse. Et c'est parti pour Gérard Martinez, directement. On saute Menel justement, la balle pour Eric Blanc. Oh, un soutien là de Pouillot. Autier qui manque la réception de cette balle. Récupéré finalement par Pouillot ce ballon, mais qui recule. Ouais, il y avait un en avant. En avant, oui, mêlée. Sur le contre toulonnais, il y a eu un en avant. Donc c'est une mêlée avec l'avantage de l'introduction pour Gérard Martinez, ce qui est important, car la mêlée a lieu à 15-20 mètres de la ligne de but toulonnaise. Elier contre voilà, Champ. Voilà, on se jette les uns sur les autres. Il y a de l'empilage là. Et là-bas, voilà. C'est déjeuné. Surprise. C'est déjeuné pour le Racing. Et c'est surprise déjeuner, mais bel et bien, il était là. Pour prendre cette balle, laissée un petit peu à l'abandon par les Toulonnais. On va peut-être revoir cette phase de jeu. Mais il y a eu un certain relâchement de la part des avants toulonnais. Regardez la sortie ici. Là, c'est Eric Champ qui s'est jeté sur la balle. Dans la récupération, eh bien, la balle est sortie. L'interception qui a eu réussi par Genet. Et c'est Louvet qui, au sol, croyant passer la balle à un partenaire, il a passé à un adversaire. C'est énorme comme différence, car attention, le récit revient à 3 points au score des Toulonnais. Parce que Pouillot réussit la transformation de cet essai de Genet. Et voici l'auteur de l'essai. On les croit moribonds, ces Parisiens. Et puis regardez, un coup de patte magique, un essai de Genet, une transformation de Pouillot. Et puis il reste encore 11 minutes à jouer. Et voilà que Toulon se met à douter. Eh bien, c'est le moment pour les supporters de Toulon d'encourager leur équipe. Et non pas quand ils menaient largement. C'est maintenant qu'il faut les encourager. Dans le regroupement, il y avait de l'orgeux dans l'air. Une balle prise encore par Martinez. Où il souffre, Menel. Hein. Oui, il souffre. Ah, il souffre, il ne pourra pas sortir. Car vous le savez, oui. Les Récimers ont déjà changé 2 joueurs. Et on a droit à 2 changements en cours de match. Mais pas 3. Donc les Racingmen ne vont pas trop solliciter Franck Menel.
Ils l'ont déjà lobé sur la l'attaque qu'ils ont fait précédemment. Oui, mais quel handicap. Cavale pour Gallion. Brandelin. Dans les 22 mètres de Paris. Gallion. Oh, Melville. Une charge de Melville. Qui redonne encore de l'espoir aux Toulonnais. Quelle santé ce Melville. Là, les Toulonnais en ont rajouté, mais ils vont donner un bon ballon à Gallion. Attention, la sortie. Et Covid pour le droit. Oui. Non, il a pris la balle, il a relâché. C'est un en avant. C'est vrai. C'est vrai, monsieur l'arbitre a dit à Jérôme Gallion, ne manifestez pas. Vous avez pris la balle, vous l'avez lâchée et vous l'avez reprise, donc il y en avant. La balle pour Pouillot. Hélène. Bianchi à la réception. Ah, c'est fait, c'est bien joué. Stéphane. Pour donner de l'air. Genet maintenant relais pour Paris, qui enchaîne le ballon, qui enchaîne ses mouvements par Cabane. La balle pour Rousset, la balle pour Pouillot. Oh, une passe pour Guillard. Guillard qui crochette à l'intérieur, encore des Parisiens en soutien, c'est l'appelement dans la défense de Toulon, qui concède une touche à 10 mètres de sa ligne d'essai. Comme quoi, voyez-vous, rien n'est perdu en rugby. Et l'offensive du Racing Club de France a été magnifiquement menée. Avec Guillard qui n'a pas su à qui passer. On va revoir cette phase de jeu. Et voici ici l'arrière Pouillot qui porte le ballon. Qui va trouver à l'extérieur Guillard qui va crocheter. Il y a eu quelques plaquages sans ballon, c'est pas grave. Et ici c'est Gallion toujours en repli qui a sauvé la situation pour Toulon. Genet pour la remise en jeu. Cernière qui a été bousculé avant de sauter. Monsieur Doulcet n'a rien dit, Gallion. Et Gallion qui trouve une belle touche qui libère son équipe du pressing parisien sur cette touche trouvée à hauteur des 10 mètres du camp toulonnais par Jérôme Gallion. Gérald Martinez, le capitaine de Paris, qui rameute ses troupes maintenant. Et le petit Hélière, le petit dernier, face à Orso, Hatcher face à Melville, Stéphane face à Diaz. La balle pour Kovi, qui va trouver une belle touche avec l'aide du rebond. Non, finalement c'est Rousset, Yvan Rousset face à Trémouille. Ah, il a pu donner au tir en avant, il me semble. Oui, mal parti Yvan Rousset. Mal parti qu'il était là-bas au fond. Et c'est un en avant qui a eu lieu, fait par les Racing Men. Non, elle a été faite par... le contre toulonnais, ce qui explique que c'est Martinez qui a introduit la balle. Oh, mais la mêlée toulonnaise se refait une santé. Et ce sont les Parisiens qui mettent encore le feu aux flammes. Le feu aux poudres avec Guillard. La percée de Guillard à suivre, un contre. Et ça continue par Eric Blanc. Face à Fournial, c'est Fournial qui concède la touche sur les 22. Mais ils sont déchaînés, ces Parisiens. Ah, c'est une belle réaction de la part du Racing. Bien joué de leur part, alors qu'ils sont chahutés au niveau des avants et dominés. Ils donnent de l'air au ballon. Et là, ils font courir tous les avants toulonnais pour les user. C'est aussi une forme d'usure. Et le public du regardez la contre-attaque parisien. Regardez la percée de Guillard. Rentré en cours de match. Le jeu continue. Récupération par Martinez sur la mêlée ouverte. Pénalité contre Toulon. À 40 mètres de leur propre poteau,